Mesdames, messieurs, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de déménager, de faire les dernières choses, à enlever de la bâtisse de l'Est tout à l'heure. Vous avez vu une vidéo sur le baptistère, le revoir, c'était très émotif. Mais encore, nous sommes en train d'enlever les derniers cuisinières. Faites un peu attention parce que ça glisse aussi. Ok, c'est bon. Donc la cuisinière qui nous a servi vraiment pour beaucoup de chilling spirituel, pour beaucoup d'activités ici à l'église de l'Est. Cette cuisinière est en train de se déplacer pour la nouvelle bâtisse. Donc vous pouvez être sûr que nous aurons encore beaucoup d'activités après le déconfinement, bien sûr. Donc c'est ça. Je vous souhaite vraiment de nous garder en prière parce que nous allons dans une nouvelle direction que le Seigneur a donné à notre pasteur, le pasteur Kanzi. Nous espérons que les choses vont bien se passer. Nous espérons qu'il y aura beaucoup de joie. Autant de déménagements que celui que nous avons eu. Nous espérons que nous avons aussi beaucoup d'âmes. Comme je vous ai montré tantôt, nous avons eu beaucoup de baptêmes d'eau, beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues et le baptême au nom de Jésus-Christ. Et nous espérons que le Seigneur va faire ça 100 fois plus dans la zone de Beaubien, dans la zone de l'Est, dans la zone tout autour, dans toutes nos églises filles. Donc, c'est juste pour vous dire que vos bénédictions, vos sacrifices, tout ce que vous avez fait ont vraiment servi. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Yannick. Au revoir.